Hello, hello, hello. How are you? Nun, guia 1, deuxième trimestre, deuxième niveau, ou bien second niveau. Tout le monde qui est dans second niveau, eh bien, nous avons pour nous faire guia ça, qui c'est anglais, English, avec professeur Anna Castillo et Daniela Alaya. OK? Et c'est très important, tout le monde qui est dans second niveau, deuxième trimestre, guia 1, anglais. Nous mettons nom, classe et puis date. Objectif guia ça, c'est pour nous capable étudier les structures affirmatives du passé simple. Les règles grammaticales pour les verbes réguliers et l'utilisation des verbes irréguliers. OK. Il y a Liobano, yon définition de temps passé simple. Yobano, yon définition de temps passé simple. Ou capable utiliser pour yon bagay qui était passé année dernière, pour yon bagay qui était passé hier, et puis hier soir. C'est exemple ça, yobano, pour passé simple. Yobano, quelque chose ça. Gen un verbe qui est régulier et gen un verbe qui est irrégulier. OK, par exemple, lorsque yobano, un verbe qui c'est visite, eh bien, pour nous composer temps passé, nous mettons seulement nous ajouter aider. Tout verbe, ça, c'est verbe, nous pouvons ajouter aider. Mais si toutefois, tout verbe là, lui-même, lui terminé par une voyelle, par exemple, dans la colonne ça, nous mettons ajouter de là-dedans. OK? Et, mais si verbe là, tout lui terminé par un Y, nous ajouter aider seulement. Ajouter aider. Eh bien, si verbe là lui-même, li, c'est un verbe qui termine par une consonne, mais li gagne yon voyelle avant, par exemple, dans le cas de stop, stop, ou à son voyelle, et puis termine par une consonne, eh bien, n'a ajouté et yon l'autre consonne, c'est-à-dire n'a doublé consonne. Comprenez? N'a doublé consonne. Par exemple, plan, là, yo double consonne. Travel, yo double consonne. OK. Ça, nous déjà prend tout exemple ça, yo. Par exemple, les gagnants Y, qui ça va faire, yo éliminer Y là, ajouter I et D pour capable construire et passer. OK. Là, yo va nous quelques conjugaisons. Par exemple, de passer, verbe to be, to do, tel ça et ça c'est verbe irrégulier qui pas demandé pour ajouter aider mais yo conjugué de l'autre façon par exemple nous venons was oui ça c'est verbe to be was là c'est pour c'est lorsque nous gagne première personne avec troisième personne du singulier n'a gagne was et bien were c'est lorsque nous avons une deuxième personne du singulier avec première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, et puis avec troisième personne du pluriel, nous avons where. Lorsque nous avons do, qui c'est verbe faire, nous avons did. Nous avons tell, qui c'est verbe dire, nous avons told. Speak, spoke, fall, fell, white, what. OK? Et on nous avance plus bas pour nous capable entrer dans activité que yo bano pour nous capable faire. Yo mande que pour nous capable écrire passé simple des verbes ça yo. OK, par exemple verbe get obtenir c'est qui c'est got. See, pay, visit, buy, go. N'a seulement mettez et passé simple devant yo. Seen, paid, visite, ça prend aider, etc. Très simple. Seulement chercher un passé simple. Hein? Simple past. Donc, chercher passé simple, mettez-le devant seulement. Là, vous avez un bon exemple. Là, petit tag est en fait. OK. Deuxièmement, vous demandez pour nous compléter les fois suivantes avec des verbes. Verbe ça yo, nous pouvons compléter fois ça avec yo. Par exemple, yo dit que lorsqu'il light
Herbert Day Present. Mais ou ap complété avec passé simple. Verbe la li même. La li au présent, mais ou pral complété avec passé simple. Voilà, yo ajouté aidé qui fait verbe la vin nan temps yo besoin la qui c'est simple past. Yo ajouté aidé. C'est même gens nan I et bien ou ap chercher verbe qui correspond avec la I in the mountain for 2 hours last week. Je dis que l'été dans montagne là pour durant 2 heures l'année dernière, non, semaine passée ou bien week-end passé, et là on va chercher qui verbe qui correspond avec ce, est-ce que c'est walk, est-ce que t'es marché dans week-end là pour 2 heures de temps, l'été marché dans montagne là pour 2 heures de temps dans week-end là, est-ce que c'est walk. OK? Ou ap mette ça qui correspond avec l'IA. Et puis ou ap respecter temps yoto et personne yoto. Par exemple là nous gen oui, hein? OK. An nou ale nan 3. 3 dit que pour nous capable garder photo a. Qui photo nous ap garder? C'est photo ça yo. C'est photo ça a parlé non? N'a garder photo yo avec action qui dans photo hein? Et puis n'a écrit passé simple verbe là par exemple yo va nous plusieurs trois là quoi nous va compléter là par exemple là yo dit que yo ba moi une image mon ça qui ça la fait n'a regarder action dit que mon ça li a écrit et bien puisque nous c'est écrit la écrit là la écrit en lettre. Eh bien, nous allons regarder dans voisin là. OK, là, on dit white et leader. Eh bien, white là, n'a pas écrit dans le temps passé simple. Eh bien, c'est exemple ça là, Urbano. He word a leader. On, he word a leader. C'est même, j'ai tout, n'a pas regardé idea. N'a pas regardé qui action l'a fait, qui action on a fait là. Qui action, n'a pas regardé si on monde, par exemple. Et yeah, mon ça li a pensé li gen quelques livres de vente bagay, eh bien li a fait un devoir. OK, là on a regardé do the homework. OK, eh bien là do a n'a metté dans forme passé simple qui c'est did, hein? He did the homework. Eh bien on va aller dans de a tout regarder action, hein? Par exemple de a qui ça m'a fait nous li kembe on bagay nan men ki sa blon pain la manger. Hein? Eh bien la manger un sandwich. Ça correspond avec. Eh bien là nous va l'écrit et he ate parce que non et passé simple c'est ate, c'est a t e. Et passé simple c'est a he ate. La li va it et it là c'est présent ou va changer temps verbe là et puis ou va mettre le passé simple et pourquoi mettre verbe là ou va mettre action qu'il a fait là. OK, et ainsi de suite n'a fait l'autre comme ça ah pendant que n'a respecté les temps. OK, là yo ba nou yon texte pour yon compréhension de lecture. On a lili à partir des réponses, à partir de lecture nous pour al mettre vrai ou faux là. N'a mettre vrai si toutefois n'a mettre t si toutefois li vrai parce que et vrai c'est true en anglais, vrai c'est true et puis faux c'est falsy. Falsy. N'a mettez T si toutefois les vrai et puis F si les faux. Par exemple, première, il est en bas nos exemples, il dit que les faux. Et ma life and the sort of in green. Parce que texte a été non, et ma li même li vivent dans le nord. Mais au même, il dit non, li vivent dans le sud. OK? Dans le sud. Là, c'est comme si les faux. Parce que dans le texte, il dit, my name is Emma. When I was 12, I live in the north of England. One day I walked along a tree, a plant fell on my head.
Et non, moi c'est Emma. Moi, lorsque moi j'ai gagné 12 ans, moi j'ai vécu dans le nord Angleterre. Il y a un jour, moi j'ai marché dans la rue, etc. Vous comprenez? Et n'a pas le texte là bien pour nous capable dire est-ce que yo qui côté qui vrai, qui côté qui faux. Là, nous avons un exemple ça. Texte a été dit non, c'est dans le nord et ma tab vive, mais la question a été c'est dans le sud, et bien là nous avons dit faux. Nous souhaitons tout le monde bien comprendre et jamais expliquer non. Dit tout texte pour nous capable répondre à la question. Bon succès à vous tous.